Salut tout le monde, c'est The Ludin, on se retrouve pour un épisode de Zelda Skyward Sword. La fois dernière, on avait récupéré, on est allé sur l'île du Capitaine et on avait récupéré la carte, la nouvelle carte, la véritable carte, hein, parce que notre carte, bah, elle est désertique, hein, parce que c'est une analyse entre guillemets de Fey. Et lui, il a la vraie carte originale, donc on va pouvoir savoir exactement sur quelle île il faut aller. Bref, sur ce, allons chercher le fameux Black Pearl. C'est parti, enfin, pas tout vite. Allons. Bien, tu as ramené la carte marine. Avec ça, on va pouvoir naviguer correctement. Allons chercher mon navire, maintenant. On embarque? Oui. On largue les amarres. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. Ah oui, la marque X indique la position du chantier naval. Ah oui, il y a toute cette zone là qui s'est rajoutée, genre au calme. Ah oui, effectivement, on n'allait pas s'en sortir avec tout ça quoi. Ok, donc il va falloir aller là. Ici, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'on irait pas jeter un coup d'œil? Là, il a l'air d'y avoir un truc aussi. Là, c'est un site de construction de bateaux. C'est là que mon navire a été fabriqué. Tu pourrais peut-être obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire là-bas. Allez, on largue les amarres. Très bien. Eh bien écoutez, on va voir ça. En tout cas, moi ce qui m'intrigue, moi d'abord c'est l'île qui se trouve. Allons-y. Arrêtons-nous du coup au chantier naval. Alors, le chantier naval, très bien. Ça a l'air d'être roller coaster le bordel. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval. Il y avait une ville ici avant. Des ouvriers qui travaillaient sur le chantier et y habitaient. D'accord. Ce bâtiment là-bas, c'est le chantier naval. Et merde. Mais on peut plus y accéder car l'entrée est bloquée. On peut se déplacer sur cette île à l'aide d'un réseau de wagonnets. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée derrière du chantier naval. Ok. Ouais, ça marche. Okay. Il y a une zone d'embarquement là-bas. Commence par t'y rendre, je t'attends ici. Ok, ça marche. Écoutez, on va y aller. On va sauvegarder, bien évidemment. Ok. On a une tyrolienne pour revenir ici, je présume. Ok. Ouh, ah ouais, carrément. Putain, en plus, j'ai pas de bouclier. Oh putain, eh, ça va être la merde ça. J'ai zéro bouclier. Oh le bordel. Ouais, ok, mon épée est devenue plus présente. C'est vrai. Mais bon, sans bouclier. Ça va être compliqué. Hein. Bonjour. Ah ouais, ça va être ultra compliqué. Ça sent le game over. Mince, j'avais une clé là. Ah, dommage. Dernier coup aussi. Oh oui, je l'ai réussi. Ah, un cœur. Pfiouh, ok, un cœur. C'était short, hein. Ok, un wagon. Oh, salut toi. Ah, tu m'excuseras, je prends d'abord des cœurs. Dis donc, c'est mon tabouret. Lève tes fesses de là. Alors, tu passes au train, s'il te plaît.
Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, approchez-vous, puis montez avec A. Dans le virage, faites pencher le wagonnet en inclinant votre corps. Si vous prenez trop de vitesse, freinez avec B. Sautez par-dessus les obstacles. Autrefois, ici, c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine. Mais elle fonctionne toujours, faut pas croire. Si tu grimpes là-dedans, tu pourras faire le tour des îlots du coin. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se fait là alors que tout est désertique? Mais bon. Il y a des instructions sur le mur qui disent comment faire. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même. Faut tout bien lire. Ok, très bien, allons-y. Ok, comme ça qu'on a gagné, ça marche. J'aurais pu freiner, c'est vrai, mais la vitesse c'est mieux. La vitesse c'est cool, alors on freine pas. Les petits... Non, non, revenez là. Merci. Ok, alors ensuite. Oula, oula, non. Ok, merci. Là, il y a un truc. Ah! Et là, on a de quoi revenir en bas, c'est ça? Ouais, ok. Ça marche! Ok, donc là, on a de quoi revenir en bas. On va passer par là, alors. Ok, deuxième wagonnet. Ah, on a un autre, là. Ouais. Lui est désactivé, dommage. Désolé pour toi. Vers le chantier naval. Ok, allons-y. Allons-y, c'est vers le coup là. Oula, celui-là il monte sacrément haut. Celui-là il monte sacrément haut. À droite. Oula, à droite aussi. Ah, oula, 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 oula. J'allais me le prendre. Je sais pas. Je sais pas quel côté est le moins... le plus long ou le moins long. Ok, j'y suis. Bien droit, bien droit. Et on y est. Yes, let's go. Ça s'est bien passé. Bon, lui, il dit toujours rien. Je le regarde toujours parce que je sais jamais s'ils vont peut-être dire un petit mot. Peut-être qu'ils vont dire un tout petit mot, on sait jamais. Non. Terminus, chantier naval. Ok. Regardons. Ok. Allons-y. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir des informations concernant le navire fantôme? Alors. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. Ok. Il devait y avoir de l'eau, probablement, à l'époque là-dedans. Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Ok, je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. Ouais. Ça roule. Eh ben, on va faire ça. Il y a encore des petits robots là.
On va commencer par détruire ces machins. Ça sera de moins en dérangeant. Hop. Bon, bah fouillons le sable, hein. On n'a pas trop le choix. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un scorpion. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est embêtant sans bouclier. Non. Oh. C'est. Allez. Tu vas casser. Tu fais ta main là. Ok. Il en reste. Tiens, prends ça. Prends ça. Ok. Ok. Ah, où tu vas, toi? Reste là où tu es. Viens. Aïe. Et reste là. Allez. Ouf. Ah, encore. Arrête d'esquiver. Aïe. Je fais attention à ma vie, hein, tout de même. Ok. Il semble que cette installation a longtemps été le repère de monstres. La chance de trouver des indices sur le navire dans cette zone est extrêmement faible. Ah bah chouette. Génial. Génial. En plus il me donne que 3 coeurs, genre vraiment radin quoi. Est-ce que vous pensez que je peux nettoyer toute la zone? Moi j'ai pas l'impression. Là je creuse mais ça remet là non? Ouais non je sais pas. Je sais pas si je peux tout nettoyer. De toute façon, votre rapport, la probabilité de trouver le navire ici est de 0%. Inutile de continuer les recherches. Venez faire votre rapport au capitaine et quittez-le. Bon, d'accord. Bah, merci je fais pour cette intervention. Du coup, ça sert à rien que je vienne ici. Bon, très bien. Vraiment, il y a 0%. Bon, bah, très bien. Ok, donc du coup, je ressors ici. C'est un endroit qui a servi à rien. Cela fait combien de temps? Ça fait 16 minutes que nous sommes ensemble. D'accord. Hey, Captain! Le navire n'était pas ici. Dommage. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Allez, on embarque dès que tu seras prêt. Bah allons-y. Allez, on largue les amarres. Ouh, j'ai un peu peur. Le chef des pirates est un androïde très costaud, qui a des ordres de sbires sous ses ordres. Je préférerais éviter de le rencontrer à nouveau, mais il le faut, pour mon avenir. La marque Ikra, ok, c'est là-bas. Rassemble ton courage, Moussaillon, on largue les amarres. Ok, allons-y. Eh bien, allons-y. C'est eux, je suppose, les pirates. Alors, par contre, du coup, ils disaient que bah, c'est un androïde puissant. Est-ce qu'à votre avis, il me faut.
Mon bouclier. Je sais pas. Bonjour à toi, Eve. Me faut-il? Je sais pas. Il y a une baleine, ou un requin. Deux. C'est vraiment pas très engageant. Mais y a rien à craindre, en fait. Ils doivent tous être morts, pas vrai? Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolite. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Allez-y! Je pars à la recherche de mon navire, vous savez. Je t'attendrai ici. Alors, ça a pas l'air d'être un temps. En tout cas, ça a pas l'air. Sauvegardons. J'avoue que la forme de l'île est très bizarre, par contre. Hein. Genre gros carré, gros bloc. Hein. Oula. Ah ouais, carrément. Oh là là, le massacre. Regarde, déjà, c'est cool. Tu m'as donné une gélatibule, j'aurais bien voulu la voir, la gélatibule. Ok, je l'ai eu. Je prends tellement de tarifs avec ce truc. Ok. Alors, on a quoi? On a une porte ici, ok. Ok. Du coup, là, on a des dents qui nous empêchent de traverser. Réveille tous et vous dégagez. Merci. Bon. Voilà, ça me mouvement. Là, il n'y a rien de particulier à faire. Le seul endroit que je peux aller, bah, c'est là. Ouais, comme ça, c'est réglé. Le seul endroit où je peux aller, c'est ici. Allons-y. Allons-y, j'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le repère des pirates. Ok, on a un genre de socle. Regardez ici, maître. Il n'y a pas de chronolithe sur ce socle, mais la probabilité qu'il s'agisse d'une installation similaire à celle des mines de la Nelle est de 95%. J'émets l'hypothèse que les chronolithes étaient utilisés ici, comme source d'alimentation. D'accord. On peut aller par là. A mon avis, on va se choper de ces saloperies là, des petits scarabées. Sympa, ça j'aime bien. Là, j'aime beaucoup là. Oh non! Oh non, encore! Ok, let's go, ça s'est mieux passé que la dernière fois, c'est cool. C'est carrément cool ça du coup. Ok. Ok, il y a toi là. Toi, je peux pas vraiment te buter. Comme ça. Ah, on a le chronolithe ici, et là on peut pas passer. Ok.
Maître, regardez par ici. Ah non, c'est un truc bizarre ça. On appelle ceci un chronoglobe. Sa forme est différente que celle des chronolithes et il est conçu pour être transporté. Effectivement, et c'est sacrément joli. Ok. Du coup, je peux passer par là et laisser ma tunique, je peux pas passer par là. Et évidemment. Oh là là. Ok. Ah, tu viens. Ah, j'ai pas. On va les tuer, hein, parce que de toute façon, pas le choix. Ok. Ok. Là, il y en a deux là. Mais je prends mes carrés. Oula, oula, et ça qui a carrément disparu dans le temps. D'accord. J'aime bien moi quand il y a des fleurs comme ça qui apparaissent. Je vais faire tout le tour. Ça va être sûr de ne pas en rater. Ok. Alors, je pense qu'il va falloir que je saute avec ça. Ah oui, non, mais on a une grille là. Okay. Donc on peut relâcher ça et on peut récupérer ça et donc passer par là. Ok. Là, ça, ça s'enlève. C'est une zone qui m'a l'air bien grande. Là je suis coincé par ce coffre. Non, il faut que j'y aille à pied. Il faut que j'y aille à pied. Ok, une corne de monstre. Voilà. Parce que je pouvais pas y aller en fait. Vous voyez qu'il y a. Ah ouais, il y a tout un mur là qui est en place. Ah. Aïe. J'ai l'impression qu'elles sont attirées par la poupoule. Que tu me rends l'appareil quand je te rends la. Oula. Aïe, aïe, aïe. Là, je prends cher. Là. Ok, ça s'est bien passé. Il y a ici là. Voilà. D'accord. Attaque direct, c'est un enfer. C'est chiant, hein, sans le. C'est
sans le bouclier, c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'on n'a pas ce rubis. C'est un avantage. C'est un avantage, mais c'est également un inconvénient. Ah, oh, oh. Ok. Il y a mon inviteur. Voilà. Là je peux pas. Là ça s'enlève. Là je peux passer. Je peux mettre ce coffre dessus. Ok. Je peux. Et je peux pas aller là. Laissez-moi deviner. Faut mettre ce cube là sur la trappe, sauf que du coup ça va à mon avis fermer l'ouverture là bas voilà, c'est ça. Du coup j'aurais été bloqué si j'aurais mis la trappe trop loin, j'aurais été bloqué, j'aurais pas pu revenir. Mais là du coup tac, j'ai juste à enchaîner et y aller. Ok, et du coup j'ai juste à passer là également et avec. Ok, où est-ce que je suis? Là, je suis désolé, ça sent les secrets en hauteur là, peut-être, non? C'est juste mon imagination. C'est juste mon imagination. Oh, oh. Ah, mais j'ai plus de quoi. J'ai pas accès à l'inventaire. D'ailleurs, je viens de penser. Mais si je meurs, vu que j'ai pas accès à l'inventaire, je meurs direct en fait. Oh, oui, effectivement, je viens de penser à ça, c'est pas cool. Là, du coup, faut que je lâche ça. Je peux pas y aller avec. Si je peux aller par là, en fait. Je peux lâcher ça, cela dit. Je peux aller dans cette zone. Ça, je peux y aller sans aucun problème. Je peux récupérer ça, d'ailleurs. Ça fait 30 minutes que nous sommes là. J'aimerais bien que ça accélère un petit peu la vidéo, parce que... Je vous avais dit que je quitterais, je ferais ça vite fait et on irait autre part. Je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment un donjon. Je m'attendais clairement pas à ce que ça soit réellement un donjon. Des bombes, ok. Ah oui, des trucs, je pense. Non, rien non plus. À chaque fois, je me fais avoir. Ok, ok. Ah merde, il y a un trap ici. Bon, cela dit, je peux aller là. Allez, super. Aïe. Ok. Ici, mais je peux dévorer ça. Nice. Ok. Ok. Du coup, ça a libéré la place ici, donc je peux récupérer la chrono boule. Oh putain. Et ça nous ouvre ça. Ok. Et du coup, on a accès au chrono. Nice. Ok. Enfin, chrono au socle. Ah, c'est joli. C'est vraiment joli. Allez. Pause. Ah non, c'est le même endroit où j'étais avant. Oui. Allez. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça ouvre ça, ok. Ok, nice. Ok.
Ok, si nous envoyons ça, on s'arrêtera. Hein. Être fait au rapport. L'énergie chronoglobe a provoqué des changements dans notre environnement. Je vous recommande d'aller voir au-dessus. Allez, on va y aller. Ah, où est-ce que je réapparais? Ah! Ah, d'accord, ok. Où je ressors de la tête du bordel. D'accord, ok. Non. Tout ce qu'il y a. Oh non, ils vont tous mourir. Non. Bon, on va monter par là-bas. Maître Ferro, en rapport, regardez par ici. La probabilité que les voiles du mât qui se trouvent ici proviennent du navire fantôme, un navire protecteur de la flamme de l'héros, est de 60%. L'initiation de la foudre des détections cible le navire enfermant la flamme sacrée. Ok. Ah, c'est cool ça là. Ah, par contre, moi je suis pas fou. Honnêtement, je suis quasiment sûr qu'il y a possibilité d'aller là-haut. Là-haut, j'ai vu. Vu. Là-haut. Ok. Il l'a. Ah, ils sont deux. Nickel ça. Et on a un cube en plus. Du coup, nice. Super. J'ai bien fait d'aller voir. Hein. J'ai bien fait d'aller voir. Mais j'étais persuadé qu'on pouvait monter. J'étais persuadé. Ok, impeccable. Très bien. Très très bien. Ok. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Allez. Sauvegardons. Bien, j'espère du coup cet épisode de Zelda Skyward Sword vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit like ainsi qu'à commenter la vidéo. C'était Zelda, ciao tout le monde et à une prochaine. Allez, ciao.